Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez que depuis un ou deux ans, bientôt deux ans, j'ai repris le cosplay. Bon, pour faire un rappel du cosplay vite fait, le cosplay c'est l'association de costumes et playing. Pour ce qui est des costumes, il y a plusieurs façons de se procurer ces costumes ou de les faire. Et pour ce qui est du playing, en gros, c'est essayer de se mettre dans la peau du personnage, de jouer ce personnage, de vraiment incarner ce personnage. Et comme j'ai repris depuis un moment, j'ai envie de vous montrer en gros les différentes facettes de ce cosplay, que ce soit du coup avec les vlogs, que ce soit aussi avec les photos que vous pouvez retrouver sur mon Insta, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à suivre, il y a toutes les infos et mes photos de costumes et de cosplay du coup là-bas, mais surtout vous montrer tout le reste. Mais aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est vous de montrer du coup la fabrication, du coup comment fonctionne le procédé de fabrication d'un costume. Aujourd'hui la plupart du costume que je vais faire, c'est catégorisé dans la catégorie placard. Pour faire simple, le cosplay placard, c'est en gros, on prend des habits qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours, et avec ces habits juste tels quels ou en apportant quelques modifications, on crée du coup un costume qui ressemble à notre personnage. Le personnage du jour que j'ai cosplayé du coup et que j'ai fait pour la Angers Geek Festival, c'est dans l'univers de Poppy Playtime, donc un jeu vidéo, et c'est du coup dans le chapitre 1 puisque c'est Oogie Woogie en version humanoïde. Alors quand je dis en version humanoïde, on sait qu'il a déjà une forme humanoïde, mais moi je le fais en version humaine, donc à ma taille et du coup avec mes proportions à moi. C'est donc une réinterprétation du personnage. Je vais pas le reproduire tel quel, mais j'ai un peu déformé pour le faire à ma façon. C'est ce qui est bien dans le cosplay, c'est qu'on peut faire une reproduction telle quelle, mais on peut aussi l'adapter pour le faire à notre sauce si on a envie que le personnage soit plus dark, que le personnage soit différent, soit une version plus humaine. Là c'est le cas pour mon Oogie Woogie. Alors comment j'ai fait pour faire Oogie Woogie? La première chose, la première phase, c'est de se dire comment je vais le faire, la phase de recherche. Pour cela, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire plein de poils, j'ai envie de faire une façon un peu plus simple, un peu plus humaine de le faire. À quoi il ressemblerait le personnage en version humaine? Et pour moi, Oogie Woogie, c'est une espèce de peluche qui est à la fois terrifiante, mais qui est à la fois mignonne et drôle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Il faut retrouver le côté poilu du coup de Oogie Woogie, il faut retrouver le côté qui est un peu classe taillée de Oogie Woogie. Il faut retrouver du bleu et du jaune qui sont ses couleurs principales. Il faut aussi retrouver du coup le rouge qui forme sa bouche. Sa bouche à la base on la voit en rouge et ensuite elle devient terrifiante. Il faut retrouver le noir de ses pupilles. C'est donc de là qu'a commencé ma recherche. Donc pour faire un humain assez classe, parce que c'est comme ça que j'ai envie de voir Oogie Woogie en version humaine, je le verrai en version classe. Je me suis dit du coup, pour que ce soit classe, qu'il me fallait un bon pantalon de costard, qu'il me fallait une chemise, parce qu'une chemise, ça fait toujours classe, une petite veste de costard aussi, et par-dessus du coup, une veste supplémentaire. Cette veste supplémentaire, je me suis dit que c'est avec ça que je pourrais apporter le côté poilu, c'est pour ça que j'ai pris en gros un espèce de pull poilu que je me souvenais que les gens avaient à l'époque, vous aurez l'image sur la vidéo, et cette veste, j'ai juste recousu en fait l'intérieur en enlevant la doublure et en essayant du coup que ce soit séparé en deux pour qu'on puisse voir ce que j'ai en dessous, tout simplement. Vous vous en doutez, que ce soit le pantalon, la chemise ou la veste de costard, tout est en bleu, mais j'ai essayé d'avoir des bleus assez différents, c'est-à-dire que le bleu poilu ressemble énormément au bleu de la peluche de base de Oogie Woogie, mais le reste, pour que ça fasse un peu un contraste et que ça fasse pas tout la même couleur, je trouve ça faisait pas joli, j'ai essayé de prendre des bleus qui sont assez différents. Je me suis donc basé pour la veste de costard avec un bleu un peu plus foncé, et pour ce qui est de la chemise et du pantalon, des bleus qui sont à peu près identiques. J'ai également fabriqué, mais j'aurais pu les acheter, des gants jaunes, puisque les mains de Oogie Woogie sont jaunes. Pour ce qui est des chaussures, j'aurais pu avoir des chaussures jaunes, mais c'est pas très commun. Du coup, j'ai mis des chaussures de costard. Je trouve que ces chaussures, ça fait classe, et je trouve que ça allait bien avec ma version du personnage. Et enfin, j'ai acheté des petites ficelles que j'ai redécoupées et que j'ai refait
fait des nœuds et que j'ai cramé au bout pour éviter que le tissu s'effiloche. Voilà qui me permet en fait de faire le nœud papillon, l'espèce de nœud papillon tissu K Oogie Woogie. Il nous reste des derniers détails et c'est ça le plus compliqué, c'est-à-dire les cheveux d'Oogie Woogie, parce que forcément si je prends mes cheveux naturels ça va pas forcément bien marcher. Donc trouver une wig bleue que moi j'ai, du coup je me suis amusé à reteindre en plusieurs couleurs, c'est-à-dire que j'ai pris un bleu très clair avec un peu du blanc et en gros avec un aérographe je me suis amusé c'est un gros mot hein. J'ai passé des heures à essayer de faire un dégradé de bleu. Sur la vidéo ça fait assez foncé, mais je vous assure que le dégradé je le mettrai en photo sûrement après cette vidéo est assez sympa. Le but en fait c'était de faire un effet qui va du clair au foncé pour rendre un espèce d'effet de style du coup pour ce Oogie Woogie. En plus de cet effet de recoloration, du coup je suis venu styliser la wig. Pour le faire c'est simple, je me suis procuré un fer à lisser et de la laque, et en venant chauffer ma wig sans la cramer, ça me permet en gros de la reformer, de lui donner une forme. Alors il y a une étape avant tout ce que je vais vous dire après que j'ai oublié de filmer, donc je vais vous expliquer comment faire. Il va falloir crêper toute votre wig, c'est-à-dire qu'en gros avec votre peigne, il va falloir prendre mèche par mèche et en gros faire des mouvements qui vont aller vers le haut. Vers le haut, vous allez voir, ça va faire des espèces de tours, vous avez l'impression que votre wig va être dans tous les sens, mais c'est le but pour ensuite du coup la recoiffer. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois, c'est-à-dire de venir crêper vers le haut, puis recoiffer vers le bas, puis recrêper. C'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir modeler et bouger comme vous voulez la fibre qui forme votre wig, et en gros que celle-ci puisse rester en l'air tranquillement sans mettre trop de lac. Voilà, c'était la petite aparté, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Il faut surtout pas trop chauffer puisque ce n'est pas des cheveux, mais ce sont du plastique pour cette wig, ce n'est pas des cheveux naturels. Et en chauffant, en gros, et en laquant, et en faisant du coup un petit effet de saucisson, comme ça j'ai pu donner la forme que je voulais à ma wig et retrouver cette espèce de V qui est la coupe en fait de Oogie Woogie. Personnellement, je suis plutôt content du résultat de la wig. Il faut savoir que j'avais commencé le cosplay il y a très longtemps, mais à l'époque je mettais pas du tout de wig, et en fait j'ai commencé à mettre des wigs avec je crois que c'était Kululo mon premier, ou c'était Aourou, je sais pas, l'un des deux. Ah non, je me souviens, mon premier wig c'était pour du coup Peter Pettigrew. Toujours est-il que avant je n'ai jamais mis une wig, et en gros c'est la première wig que je stylisais vraiment, et je suis plutôt content du résultat, même si vous verrez que j'en ai stylisé une autre depuis et je suis encore plus content du résultat. Mais ça ce sera pour une prochaine vidéo, et du coup pour un autre costume, il faudra suivre sur Insta les photos ou les vidéos pour voir du coup de quoi je parle. Bon, je vous fais un petit leak, c'est dans Kingdom Hearts, mais j'en dis pas plus. Mais pour continuer du coup sur Oogie Woogie, il nous reste deux étapes. Une étape qui est le maquillage, puisque ma peau naturelle, forcément ne va pas avec Oogie Woogie. Et l'autre étape, c'est les dents. Oogie Woogie, ce qui est terrifiant dans cette peluche, c'est qu'au début, on voit un petit sourire mignon avec ses lèvres rouges, mais qu'au final, il a des dents qui sont monstrueuses. Et voici du coup le procédé de création de cette fausse mâchoire. J'ai créé ma première fausse mâchoire moi-même, donc elles sont pas parfaites, mais j'ai fait du mieux que je pouvais, et quand même, le résultat pour un premier essai est plutôt pas mal, je trouve. Alors, pour faire cette fausse mâchoire, j'ai utilisé du coup ce petit truc qui est en fait du plastique un peu en bille. Alors moi ça s'appelle du Thermowork, c'est la marque, je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je l'appelle comme ça de base, un peu comme on peut appeler du sopalin pour l'essuie-tout. Mais en gros ces petites billes, pour vous faire simple, c'est des billes qu'on vient chauffer, en gros on vient chauffer l'eau à la bouilloire, et en chauffant du coup ces billes, ça va donner du plastique espèce de transparent. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, ce plastique transparent, on peut le modeler. Le truc qui est, pour faire attention, c'est que c'est très chaud, forcément, puisqu'on le chauffe avec une bouilloire, ça va être chaud. Mais pendant que le plastique est transparent, on peut le modeler comme on veut, et en fait une fois qu'il refroidit, il va avoir cette texture blanche et il va devenir dur comme du plastique. Le but là, c'est de faire une pâte qui est quand même un petit peu épaisse mais pas trop, pour pouvoir du coup faire un peu les gencives. Donc c'est pour ça que je fais une espèce de bande. Une fois que ça c'est fait, je viens ajouter à ça du colorant rouge pour en fait essayer de donner cette texture de gencives qui est un peu rosâtre. Là c'est vrai, je l'accorde, c'est un peu trop rosâtre, mais bon, on n'a pas pu faire mieux, c'était notre premier essai, et franchement, ça peut aller. Si j'avais à le refaire, j'essaierais de faire en sorte que ce soit un peu moins rosâtre. Et malheureusement, même en rajoutant du rouge, ça n'a pas donné un côté plus foncé. Donc bon, je me suis dit que ça suffirait pour cette fois. Une fois que cette pâte est faite, je le mets au niveau de ma mâchoire, le temps que ça durcisse. Il faut bien sûr faire très attention, c'est-à-dire qu'il faut garder assez longtemps pour que ça garde la forme et que ça durcisse. Mais il ne faut pas non plus que ça durcisse au niveau des dents, ce serait dommage qu'on reste bloqué. Mais
mais en gros, il faut essayer de le retirer un petit peu avant que ce soit complètement dur. Il faut que ce soit quand même un petit peu dur, histoire que ça garde la forme et qu'une fois que vous enleviez la pâte de la bouche, ça s'enlève pas totalement. Alors personnellement, le premier essai était raté, donc comment je fais pour pouvoir re-récupérer et refaire? Bah c'est simple, je rechauffe avec la bouilloire et comme ça redevient un petit peu transparent, même pratiquement totalement, c'est juste le colorant qui fait que c'est un peu plus opaque. Et puis je recommence pour redonner la forme que je veux. Alors mon but c'était de faire une mâchoire en haut et en bas. Une fois que les gencives de en haut et en bas étaient faites, j'ai refait chauffer d'autres billes pour pouvoir faire mes dents. Ce qui est bien avec les dents, c'est qu'elles sont plutôt blanches de base. Bien sûr, si je referais une mâchoire, j'essaierai de donner un peu plus de coloration dessus avec du vernis dentaire, j'imagine. Ce qui permettrait de donner ce côté un peu moins blanc puisque les dents de base ne sont pas toutes blanches. Mais pour cette fois-ci, je me suis contenté du blanc de base du plastique. Donc le but était de former, comme vous pouvez le voir à l'écran, des dents. On essaye de les faire plus ou moins grandes, plus ou moins formées, mais pas trop pointues. Hein. Le but c'est pas de défoncer ses lèvres, parce qu'il faut pas oublier que il y a la santé de base. Et je vous assure que moi, même moi là, je les avais fait un peu trop pointues, ce qui fait que fallait que je fasse très attention. Une fois que c'est fait pour l'arrière, moi j'essaie de le faire assez plat pour que ça adhère mieux aux gencives et pouvoir les coller correctement. Alors pour ce qui est de la colle, je vous conseille de faire très attention. Personnellement, j'ai pris le type de colle que vous pouvez voir à l'écran et il n'y a que ce type là que vous devez prendre. Alors c'est d'ailleurs pour ça que moi c'est le croco, c'est que j'ai trouvé que celle-là en grande surface, du coup en Leclerc. Mais en gros, ce qu'il faut dans votre glue, c'est de la cyanoacrylate. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule substance qu'il y a en gros dans cette colle qui n'est pas toxique. Et comme vous mettez votre dentier dans votre bouche, il faut quand même que ce soit pas toxique. Donc je vous le répète, prenez de la cyanoacrylate et faites attention parce que c'est une colle du coup qui va coller instantanément. Donc dans les 3 secondes, ça colle. C'est pourquoi je vous conseille de faire très attention et d'y aller très doucement avec cette colle. Une fois que toutes vos dents sont faites, ce sera un peu long, vous verrez, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Il faut que vous fassiez du coup un peu le haut des gencives parce que comme vous voyez, vos dents, il y a les dents et par-dessus il y a la gencive qui passe, donc on a de la peau derrière mais on a de la peau aussi au-dessus. Donc rebelote, resystème, et pour pouvoir le coller là-dessus, soit vous utilisez la colle, personnellement juste en chauffant et l'appliquant dessus en durcissant, ça pouvait rester correctement. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait pour le haut et pour le bas, mais finalement pour le cosplay final et le costume, je n'ai gardé que le haut parce que avoir le haut et le bas c'était pas pratique. J'ai plutôt préféré avoir le haut et je trouvais que ça suffisait pour mon costume. Il nous reste plus qu'une étape pour mon Oogie Boogie, c'est le maquillage. Alors pour le maquillage, ça ressemble, ils vont dire que ça ressemble un peu au Joker, c'est vrai que c'est un peu le cas, mais j'ai juste rajouté du noir autour des yeux avec des petits traits, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et pour ce qui est de la bouche, j'ai essayé de faire une bouche assez pointue parce que quand Oogie Boogie ouvre la bouche, ça fait, je trouve, ce côté un peu pointu, terrifiant. Et du coup, voilà le résultat final. Voici le procédé que j'ai fait pour ma version de Oogie Boogie. Ce que j'ai kiffé avec ce costume et en cosplayant ce perso, c'est que Oogie Boogie est populaire chez les enfants comme sur les personnes un peu plus âgées parce qu'il a ce côté attachant mais terrifiant à la fois. Et ce qui était bien, c'est que j'ai plein de gens qui ont kiffé le personnage mais qui étaient à la fois terrifiés. Et voir que ce soit les enfants ou les adultes avoir ce côté, ce sentiment de mode « Ah !» c'est trop cool, mais à la fois, ça fait peur. Franchement, je trouvais ça hyper satisfaisant. Bon, l'inconvénient du costume, c'est que avec la fausse mâchoire, on peut pas trop parler, mais on peut quand même parler avec le fait que j'avais que le haut, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais gardé que le haut. Mais sinon, voici l'envers du décor de mon costume. Si vous voulez voir un peu plus ce costume, vous pouvez faire un tour sur ma page TikTok. J'ai fait quelques vidéos sur ce costume. Si vous voulez voir les photos ou avoir les infos pour mes futures vidéos ou ce cosplay, vous pouvez aller sur mon Insta. Mais en tout cas, j'espère que voir l'envers du décor de comment on peut faire un type de cosplay vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à liker la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.